Salut, tu fais sa fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Calendrier de l'Avent, hein, comme d'habitude, comme tous les jours en ce mois de décembre. Donc aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait regarder la case numéro 9. Alors, voilà, et il semblera que nous avons Gamora. Pardon. Nebula, voilà. Nebula en pull de Noël, plutôt cool, qui est une exclusivité à ce calendrier de l'Avent. Alors, pas la Nebula hein, réellement. Bon, avant, on va quand même regarder les pièces sup. Donc, on a une plate magenta 1 par 1, plate bleue 1 par 1, et une plate fleur 1 par 1. Voilà. Okay. Ensuite, en accessoire, du coup, elle a un cadeau à ses couleurs au final. Voilà. Donc, il manquerait plus qu'une plate bleue. Et en fait, on aurait un deuxième cadeau à ses couleurs. Voilà. Ensuite, pardon, il m'a échappé des mains. Elle m'a échappé des mains. Ensuite, du coup, un pantalon. Attendez, oui, c'est ça, bleu marine, comme je les aime. Un petit pull bleu et blanc avec la tête de Thanos, les pierres de l'infini sur le côté. Et derrière, Gamora et Nebula dans un petit cœur, comme quoi elle veut seulement l'amour de sa sœur. Alors, la tête, je crois que ce n'est pas une exclusivité. Contrairement au torse qui lui est exclusif et je pense qu'il le restera, pardon. Mais ouais, non, franchement, super, super figurine. J'adore, j'adore. Je vais même changer mon pull de Noël pour celui-là, je pense. Voilà. Bah, du coup, c'est à peu près tout pour cette case-là. On arrive déjà, du coup, au dixième que je cherche. Vous voyez-vous? Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, si, là. Voilà. Case numéro 10 la prochaine fois. Allez. Bye.